Salut à tous, une courte vidéo pour parler des dons que j'ai faits au mois d'avril 2018. Comme vous le savez, fin février 2018, j'ai reçu généreusement un équipement complet qui fonctionne très bien, mis à part ce con de circuit graphique du Ryzen 3 2200G qui n'est pas encore supporté complètement par Noyau Linux, mais normalement, croisons les doigts, ça va être pour bientôt. Donc bref, si vous voyez le nouveau fond d'écran durant la vidéo, c'est Didier qui m'a fait cadeau, donc merci Didier, je te remercie de nous avoir envoyé, ça change un peu des fonds d'écran de GhostBSD. Fin de la parenthèse. Donc, comme je l'avais précisé dans la vidéo du mois de mars, et dans la vidéo où j'avais reçu l'ordinateur, j'avais donné une partie de ce que je considérais être le budget à mettre dans les dons pour des associations et des projets libres. Ce mois-ci, ça va être pas complètement le cas. C'est pour, dirons-nous, je vais revenir sur... D'abord, je vais commencer par le don que j'ai fait, après je reviendrai sur autre chose. Le don du mois de... Le don à l'association ou projet libre de ce mois-ci, c'est LibreOffice. La preuve, je viens juste de finir mon don. Donc, il n'y a pas le montant précisé, mais j'ai fait un don pour LibreOffice. Pourquoi ? Parce que je l'utilise au quotidien. C'est ma suite bureautique depuis pas mal d'années, même avant quand ça s'appelait openoffice.org, les deux étant liés. Donc, j'ai donné pour le mois d'avril à LibreOffice. C'était la moindre des choses parce qu'ils font un boulot monstrueux et c'est tant mieux. LibreOffice, c'est une tuerie et c'est super. Voilà. Donc, le deuxième, c'est PA. Si vous ne connaissez pas PA, c'est un dessinateur qui met 98% de ses dessins, enfin, tous les dessins qu'il met, toutes les créations qu'il met, c'est sous licence libre. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, malheureusement, il est touché par un problème de syndrome cérébelleux pour son fils. Voilà, cette cagnotte. Voilà, donc il reste 55 jours si vous voulez donner quelque chose. Mais malheureusement, son fils souffre d'un syndrome cérébelleux, il a besoin d'argent pour financer la construction d'une chambre. Là, vous aurez tout détaillé dans le descriptif comme d'habitude. Et oui, j'ai donné au mois d'avril. Et c'est le 1er avril que j'ai donné d'ailleurs. Vous allez me trouver. Alors, je me cherche. Où est-ce que je suis planqué? Ah, je suis là, voilà. Et vous verrez, j'ai laissé un message le 1er avril. Comme j'avais promis, un petit quelque chose pour faire brancher le public. Là, j'avais promis que je ferais un petit piqueur de rappel. Donc, si vous voulez donner quelque chose, même ne serait-ce que 5 ou 10 euros symboliques, ça aidera beaucoup PA. Pourquoi? Pour cette même raison. On a fait ensemble déjà une BD, qui n'a eu que 2 épisodes. Il m'avait fait aussi un dessin pour mon anniversaire, mes 42 ans. Je vous mettrai peut-être le lien dans le descriptif. Mais voilà ce que j'avais fait avec lui. C'était que j'avais fait le scénario, et il avait fait la BD. Premier épisode, deuxième épisode, voilà. Il m'avait fait surtout un excellent dessin pour mes 42 ans, en 2016, voilà, avec un énorme clin d'œil à H2G2, et aussi il m'avait fait un excellent dessin pour les 10 ans de mon blog, en 2015, Donc là, vous pouvez être bien en pause, je vous mettrai tous les dans le descriptif. Mais il n'a pas travaillé que pour moi. Sinon, je n'aurais pas parlé. Il a aussi travaillé pour le projet isotope de 3HG. Avec des fonds d'écran. J'adore ce fond d'écran avec le Fugu qui se tape l'ensemble. Donc, il travaille, il a fait aussi des fonds d'écran pour 3G. Mais pas uniquement. Il a travaillé pour une Ubuntu en faisant une affiche. Et aussi pour la Framasoft. Voilà. Et Framasoft qui a fait un article sur lui. Vous trouvez le lien dans le descriptif. Il a aussi travaillé pour Debian Linux, enfin Debian Facile Linux. Et son blog, voilà, c'est celui-là. Vous voyez quand même, il a pas mal de talent. Il avait fait une affiche pour la fin de l'humanité. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait un petit don. Pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup, donc j'ai fait un don quand même. Si vous voulez l'aider, vous avez l'adresse. Voilà. Donc, cette courte vidéo est terminée. Au mois de mai, je ferai encore 2 dons. Et peut-être encore au mois de juin. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !